C'est sûr, elle n'a pas son pareil bien niché. Dans un coin paisible et charmant, entouré de verdure et d'un joli ciel, c'est un réel enchantement. Oui, c'est la maison de nos rêves où l'on est toujours heureux et si joyeux, car ici il n'y a vraiment pas de trêve pour l'action, l'entrain et le jeu. Tout le personnel est toujours si aimable, les aides-soignantes, infirmières, auxiliaires, elles sont toujours là, toujours aussi serviables. Et pour tout cela, la maison est très fière. À l'entrée, l'accueil y est très chaleureux. Familles et visiteurs y sont très nombreux. Le secrétariat, toujours très compétent pour les dossiers et même les renseignements. Le technicien est là aussi, bricoleur. Par tout le monde, il est chéri, car oui, en souriant, il sait tout faire pour réparer les petites misères. Et voici notre gentille psychologue, très patiente et toujours si dévouée, avec qui les multiples dialogues finissent par être très enjoués. Ajoutons à ça le jour les cuisiniers qui font leur possible pour nous régaler. Même si quelquefois on trouve que c'est pas ça, soyons raisonnables, ce n'est pas un gala. Le bon médecin qui prend bien soin de nous, il faut bien le savoir et vous le savez-vous. Pour notre santé, il nous surveille aussi, car bien grâce à lui, nous sommes vite rétablis. À présent, il ne faut pas oublier quelques hommes qui nous sont vraiment utiles. Et bien sûr, ce sont tous nos super kinés. Avec eux, tout est encore possible. Mais en plus, voici notre gouvernante qui, malgré son air sévère et râleur, sait aussi être vraiment très souriante et nous procurer du bonheur. Ajoutons enfin la belle animatrice qui anime avec cœur et à la perfection nos longues journées qui sans elle seraient tristes. Et c'est pour cela, oui, que nous l'adorons. Le directeur et son assistante dirigeant d'une main ferme et amicale, cette maison si coquette et si charmante grâce à tous, à nous. À la finale.